Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui un cours complet de Yin Yoga. Pendant plus de 50 minutes, nous allons étirer en profondeur le dos et les jambes. Mais comme toujours avant de commencer, et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner. Commençons cette séance dans la posture de l'enfant. Les fessiers posés sur les talons, les genoux légèrement ouverts pour laisser la place à la poitrine. Le front et les bras sont posés sur le sol. Les mains au-dessus de la tête. On prend plusieurs respirations amples, profondes. Des respirations yogiques complètes. Des respirations abdominales et thoraciques. On inspire amplement, profondément. On expire complètement et longuement. Au fil des respirations, on se détend, on se relâche toujours plus. On laisse le temps au corps d'apprécier l'étirement. On lui laisse le temps de se relâcher dans cet étirement. Nous aurons le temps dans cette séance car nous allons maintenir chaque posture de 3 à 4 minutes. Respirez simplement et détendez-vous à travers chaque posture. Prenez encore une respiration ample, profonde. Et tout en douceur, posez les mains sous les épaules et déroulez la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Venez maintenant vous asseoir directement sur le sol, les jambes tendues face à vous. Nous allons faire la flexion avant. Vous allez plier le genou droit, amener la voûte plantaire à l'intérieur de la cuisse gauche. Genou droit plié, jambe gauche tendue. Posez les mains de part et d'autre de votre jambe tendue. Inspirez, allongez la colonne vertébrale. Expirez, fermez les yeux et relâchez-vous. Au fil des respirations, détendez de plus en plus les muscles de la jambe qui sont étirés. À mesure où vous relâchez ces muscles, le buste va descendre progressivement. Laissez la gravité faire le travail et respirez simplement et calmement dans la posture.
Prenez encore une respiration ample, profonde. Puis tout en douceur, déroulez la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Allongez la jambe gauche face à vous. Détendez-la un instant. Et on travaille de l'autre côté. On plie le genou gauche, on amène la voûte plantaire à l'intérieur de la cuisse droite. On pose les mains de part et d'autre de la jambe tendue. On inspire, on se grandit. On expire, on relâche complètement les muscles de la jambe droite. On se relâche. On se détend au fil des respirations. On relâche les épaules, les bras, la jambe.
Prenez encore une respiration dans la posture. Puis tout en douceur, déroulez la colonne vertébrale. Et allongez la jambe gauche. Pour la posture suivante, n'hésitez pas à vous munir d'un coussin ou de grosses couvertures que vous allez plier pour les positionner sous votre dos. Nous allons venir dans la posture du poisson, mais nous allons nous détendre complètement dans cette posture. C'est pourquoi nous utilisons le support du coussin. Dès que vous êtes prêt, allongez-vous sur le coussin. Relâchez les bras de part et d'autre, paume de main tournée vers le ciel. Vous pouvez garder les jambes tendues. Ou alors vous pouvez plier les genoux et ouvrir les genoux de part et d'autre. Les voûtes plantaires se touchent. Choisissez l'option qui vous convient le mieux. Placez le coussin au milieu du dos, afin que vous ayez une cambrure du dos et un relâcher vers l'arrière des cervicales. N'hésitez pas à ajuster cette posture et à utiliser d'autres coussins si besoin. Si vous avez des tensions au niveau des cervicales, dans ce cas, vous pouvez utiliser un autre coussin pour le placer sous la tête. Et vous allez augmenter la hauteur du coussin ou la diminuer en fonction de l'arche que vous souhaitez. Choisissez les options qui vous correspondent le mieux. Et restez dans la posture le plus relâché, le plus détendu possible. Prenez encore une respiration dans la posture. Puis lorsque vous êtes prêt, refermez les genoux
et roulez sur le côté afin d'enlever le coussin. Puis à nouveau, allongez-vous sur le dos, sur le sol. Prenez quelques respirations amples et profondes en Shavasana. À la prochaine inspiration. Rapprochez les pieds et étirez-vous de la tête aux pieds, les bras au-dessus de la tête. Expirez, ramenez les genoux sur la poitrine. Petit mouvement de bascule vers la gauche, vers la droite pour masser vos lombaires. Et nous allons maintenant travailler les torsions et avec la possibilité de continuer à étirer les jambes. Posez les pieds sur le sol, genoux pliés. Relâchez les bras de part et d'autre. Puis croisez le genou droit au-dessus du genou gauche. On inspire. Sur l'expiration, on entraîne ces deux genoux vers la gauche, vers le sol. L'épaule droite reste au sol. Puis on vient rouler la tête vers la droite. Et on reste dans la posture sur plusieurs respirations. Si vous souhaitez aller plus loin, dans une deuxième option, vous pouvez venir allonger, tendre votre jambe droite. Et avec votre main gauche, attraper ce qui est disponible. La cuisse, le mollet, la cheville ou le pied. Choisissez l'option qui vous convient le mieux et respirez profondément dans la posture. Vous pouvez également allonger l'autre jambe, la jambe gauche. Enfin, je vous propose une dernière option. Maintenez la jambe gauche pliée et venez attraper le pied, l'orteil, à nouveau ce qui est disponible avec votre main droite. Ainsi, vous aurez un étirement profond, à la fois des jambes et du dos. Restez ainsi dans une posture la plus immobile possible, en essayant de relâcher, malgré l'étirement intense, vos muscles, grâce à vos respirations.
Prenez encore une respiration profonde dans la posture. Et tout en douceur. Relâchez vos pieds. Ramenez jambes et tête de face. Allongez les deux jambes. Puis inspirez, tirez-vous de la tête aux pieds en allongeant à nouveau la colonne vertébrale. En expirant, ramène les genoux sur la poitrine. Petit mouvement de bascule vers la gauche, vers la droite. À nouveau, on détend ses lombaires. Puis on repose les pieds au sol. On allonge les bras sur le sol, paume de main tournée vers le ciel. On croise le genou gauche au-dessus du genou droit. Et sur la prochaine expiration, vous entraînez vos genoux vers la droite, vers le sol. Maintenez les deux épaules au sol, si possible. Puis roulez la tête à gauche. Vous pouvez rester dans cette posture ou alors, pour aller plus loin, vous venez tendre votre jambe gauche et vous attrapez ce qui est disponible. La cuisse, le genou, le mollet, la cheville ou encore le pied. Vous pouvez maintenir la jambe droite pliée ou venir la tendre et rester dans la posture. Enfin, la dernière option possible, c'est d'avoir la jambe droite pliée et de venir attraper le coup de pied ou les orteils, le gros orteil tout particulièrement, avec votre main gauche. Choisissez l'option qui vous convient le mieux afin de maintenir le plus en douceur possible la posture et de parvenir à vous détendre à travers chaque respiration.
Prenez encore une respiration ample, profonde. Puis tout en douceur, relâchez les pieds. Et ramenez les jambes, la tête de face. Allongez les deux jambes, montez les bras au-dessus de la tête et sur une inspiration, étirez-vous de la tête aux pieds. Expirez, ramenez les genoux sur la poitrine. Petit mouvement de bascule vers la gauche, vers la droite. Dès que vous êtes prêt, venez rouler sur le côté pour vous mettre en tailleur. Vous aurez la possibilité d'utiliser un accessoire si vous le souhaitez, mais ce n'est pas une obligation. Si vous avez une sangle, attrapez-la. Ou alors vous pouvez vous munir d'un long tissu, une serviette, une écharpe, ce que vous avez. Vous le placez à l'arrière de votre dos. Vous maintenez le genou gauche plié, vous allongez la jambe droite. Et vous allez placer le centre de votre sangle au niveau des orteils. Juste sous les orteils. Vous attrapez votre sangle ou votre écharpe ou votre tissu. Vous gardez le dos droit. Une main est placée à l'arrière du dos et vient attraper la sangle. Vous inspirez, sur l'expiration, vous vous penchez sur le côté. L'utilisation de la sangle vous permet de maintenir le buste de face et vous permet de maintenir le pied flex afin d'étirer le mollet, et ce tout en douceur, sans forcer sur votre jambe. Bien sûr, c'est optionnel, vous pouvez tout simplement poser votre main droite sur votre jambe ou sur le sol et vous pencher vers votre jambe tendue. Il faut juste maintenir l'épaule gauche vers le plafond. Et en fonction de votre souplesse, vous pouvez tout simplement venir avec votre main droite attraper les orteils du pied droit et ainsi maintenir le pied flex. Vous choisissez l'option qui vous convient le mieux et vous restez dans la posture sur plusieurs respirations.
Prenez encore une respiration. Puis redressez le dos. Relâchez l'accessoire si vous en aviez utilisé un. Et changez la pliure de vos jambes. Genou droit plié, jambe gauche tendue. À nouveau, à vous de choisir si vous souhaitez utiliser à nouveau ou non la sangle. Encore une fois, ce n'est pas une obligation. Vous pouvez vous adapter en fonction de votre corps. Si vous souhaitez utiliser la sangle, placez le centre de la sangle au niveau des orteils juste en dessous. Enroulez vos orteils avec. Maintenez le pied flex. Et attrapez la sangle de façon à être le plus confortable possible en venant vous pencher sur le côté vers votre jambe tendue. Si vous n'utilisez pas d'accessoires, il vous suffit simplement sur une inspiration d'allonger la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne, de poser votre main gauche sur le sol ou sur la jambe tendue. Et sur l'expiration, vous vous penchez sur le côté en maintenant l'épaule droite vers le plafond. Vous avez l'option de venir attraper vos orteils avec votre main gauche, toujours en fonction de votre souplesse. Essayez de garder l'alignement des cervicales et de la colonne vertébrale. Mais comme nous maintenons la posture pendant plusieurs minutes, libre à vous de tourner la tête vers le sol si besoin. Choisissez l'option qui vous convient le mieux. Et restez simplement dans la posture, en respirant amplement et profondément.
Prenez encore une respiration dans cette posture. Puis en douceur, redressez-vous. Retirez l'accessoire et posez-les sur le côté, si vous en aviez utilisé un. Prenez le temps nécessaire. Puis lorsque vous êtes prêt, venez vous installer à nouveau sur le dos. Puis tout en douceur, attrapez vos genoux, rapprochez-les de la poitrine et à nouveau faites un petit mouvement de balancier vers la gauche, vers la droite pour détendre une dernière fois les lombaires. Puis posez les pieds au sol, rapprochez genoux et chevilles et ouvrez les genoux de part et d'autre. Les voûtes plantaires se touchent dans la posture du papillon. Les bras sont posés sur le sol, paume de main tournée vers le ciel. On reste dans la posture.
Prenez encore une respiration ample, profonde. Puis en douceur, rapprochez les genoux l'un de l'autre. Et allongez les jambes. Revenez en Shavasana pour la relaxation finale. Les jambes légèrement écartées, largeur de tapis. Les bras le long du corps, légèrement écartés de celui-ci, paume de main tournée vers le ciel. À nouveau, concentrez-vous sur votre souffle. Respirez amplement, profondément. Votre corps est maintenant complètement relâché et détendu. Votre respiration est ample, profonde. Et votre esprit est léger et serein. J'inspire oxygène et énergie. J'expire. Je relâche. Toutes les tensions, tout le stress. J'inspire prana, énergie vitale. J'expire, je diffuse cette énergie à travers tout mon corps, me laissant uniquement un sentiment de bien-être. La séance est maintenant terminée. Je vous invite à rester dans cette posture aussi longtemps que nécessaire. J'espère que la séance vous aura plu. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez faire un don sur Buy Me a Coffee. Je vous mets le lien dans la description sous la vidéo. L'autre moyen de me soutenir est de liker la vidéo, de la partager et de laisser un commentaire auquel je me ferai un plaisir de répondre. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine séance. Namasté.